Bonjour, je vous propose une recette automnale, un velouté de butternut. Je commence par verser une butternut entière que j'ai épluchée, vidée, coupée en gros morceaux, ce qui m'a permis d'obtenir 1,3 kg de butternut. J'ajoute 2 gousses d'ail, 2 carottes, une pomme de terre, un oignon, une cuillère à café de gros sel et j'ajoute du poivre et de la cannelle. Donc bien sûr, c'est selon votre goût, hein, la cannelle, le poivre, le sel. Donc j'ajoute de l'eau bouillante, 1,5 litre au total, qu'il faut couvrir à hauteur. Alors je mets de l'eau bouillante parce que ça va beaucoup plus vite hein, dès le départ, étant donné qu'il faut porter à ébullition. Je vais peser tous les légumes, les ingrédients, pour que ce soit plus facile, mais bien sûr, c'est pas au gramme près. J'ai versé la totalité de l'eau. Alors je vais pouvoir couvrir, porter à ébullition, donc sur un feu vif, un feu très fort. Et à ce moment-là, une fois que c'est à ébullition, je couvre et je laisse mijoter 25 à 30 minutes jusqu'à ce que les légumes soient cuits. J'ai laissé mijoter 30 minutes, mes légumes sont cuits, je vais pouvoir mixer. Je vérifie qu'il ne reste pas de morceaux. Et je vais pouvoir commencer à dresser. Avec cette quantité, j'ai obtenu 6 bols de soupe. Juste avant de servir, j'ajoute un peu de crème liquide semi-épaisse et une pincée de poivre. Et je vous dis bon appétit! Merci d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt!